En 1902, le cinéaste français Georges Méliès réalisa un film qui semble anticiper par maints aspects les missions Apollo des années 60. Le film de Méliès était évidemment une œuvre de fiction. Et les missions Apollo furent-elles réelles ou bien seulement une version plus moderne et sophistiquée de la même fiction ? L'histoire des missions Apollo commence en 1961, quand le président Kennedy annonce devant le monde entier que les USA ont l'intention d'envoyer l'homme sur la Lune avant la fin de la décennie, c'est-à-dire avant 1970. La chose fit beaucoup jaser, car jusque-là, les États-Unis d'Amérique avaient seulement réussi à lancer un seul astronaute, Alan Shepard, dans un bref vol suborbital d'à peine 15 minutes. N'ayant pas même envoyé un homme en orbite terrestre, le fait de déclarer vouloir mettre le pied sur la Lune en moins de 9 ans semblait une hypothèse plutôt hasardeuse. Mais c'est précisément à ce moment-là, d'après la narration officielle, que les USA mirent en branle une puissante machine technologique qui devait leur permettre d'atteindre leur objectif à quelques mois de l'échéance fixée par Kennedy en juillet 1969. La thèse soutenue par ceux qui ne croient pas aux missions lunaires veut que les USA se lancèrent effectivement et de toute leur force dans cette grandiose entreprise. Mais ils arrivèrent à un point, vers 1967, où ils se rendirent compte qu'ils ne parviendraient pas, de toute façon, à franchir tous les obstacles d'un projet aussi ambitieux. Et arrivés à ce point, il ne leur restait qu'une seule solution, faire semblant d'y être allé. Ne pouvant admettre devant le monde entier ne pas être capable d'aller sur la Lune, ils auraient, selon cette thèse, décidé de mettre en scène toute la mission en studio en utilisant les systèmes de simulation qu'ils possédaient et qui permettaient de répliquer jusque dans les moindres détails la totalité d'une mission. Pour le public, qui devait assister aux alunissages à la télévision, il n'y aurait aucune différence. Mais voyons en détail ce qui s'est passé pendant cette décennie des missions lunaires. Les livres d'histoire racontent que dans les années 60 eut lieu ce qu'on a appelé la course à la Lune, c'est-à-dire la compétition entre Américains et Soviétiques pour être les premiers à prendre pied sur notre satellite. En réalité, si l'on regarde de plus près, ce fut une course à sens unique, sans réel adversaire. Seuls les Américains essayèrent vraiment jusqu'au bout, poussés non pas tellement par la compétition avec les Russes, mais plutôt par la monstrueuse machine propagandiste qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée au début de la décennie. Officiellement, la soi-disant « course à la Lune » débuta en 1961 lorsque les Soviétiques envoyèrent le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. À ce moment-là, le président Kennedy chargea le vice-président Johnson de comprendre quelles étaient les réelles possibilités pour les USA de battre les Soviétiques dans la course à l'espace. Et c'est là qu'entre en scène un personnage très important pour toute cette affaire, le directeur de la NASA, James Webb. En effet, Johnson en parla avec Webb et après quelques jours, il fit parvenir sa réponse à Kennedy. Parmi toutes les possibilités, figurait celle d'envoyer un homme sur la Lune. C'est ainsi que deux semaines plus tard, Kennedy lançait ce défi devant le monde entier. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. À partir de cet instant, le chef de la NASA se mit au travail pour mettre sur pied le projet lunaire. Dans les archives de la NASA, on peut lire « Webb, qui avait soutenu le projet devant Kennedy, mit ce projet d'alunissage en priorité absolue et réorganisa en conséquence l'agence spatiale américaine. » Médiateur accompli, Webb avait également obtenu le soutien d'importantes personnalités politiques comme le sénateur Kerr de l'Oklahoma. Dans les archives de la NASA, on peut lire le sénateur Kerr a dit à ses collègues du Congrès que Webb était plein d'enthousiasme pour ce projet et que si Jim Webb a dit que l'on est capable d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf, c'est parce que c'est possible. L'appui du sénateur, concluait le document, assura un soutien politique conséquent au projet lunaire.
Cependant, en coulisses, Kennedy restait encore sceptique devant un projet aussi ardu. Le 18 septembre 1963, il convoqua Webb à la Maison-Blanche pour lui faire part de ses doutes. Grâce à un enregistrement rendu public récemment, on peut prendre connaissance de cet échange de la voix même des intéressés. Deux jours plus tard, lors d'un discours devant les Nations Unies, Kennedy tenta une dernière fois de convaincre les Soviétiques d'aller ensemble sur la Lune. Finally, in a field where the United States and the Soviet Union have a special capacity in the field of space, there is room for new cooperation, for further joint efforts in the regulation and exploration of space. I include among these possibilities a joint expedition to the moon. La réponse de Khrouchtchev ne tarda pas à arriver, mais ne fut pas très encourageante. Un mois plus tard, pendant une rencontre avec la presse mondiale, le chef du Kremlin déclara « À ce jour, nous n'avons pas de programme pour envoyer des cosmonautes sur la Lune. J'ai lu que les Américains projetaient d'envoyer un homme sur la Lune d'ici 1970. Nous leur souhaitons d'y parvenir. Nous verrons comment ils feront pour y arriver et comment ils s'y prendront pour atterrir ou plutôt pour allunir. » Et surtout, nous verrons comment ils s'y prendront pour repartir et revenir sur Terre. Nous ne désirons pas entrer en compétition pour envoyer un homme sur la Lune sans une préparation appropriée. Arrivé à ce point, Kennedy se rendit compte que les dés étaient pipés et que les USA allaient devoir continuer seuls cette entreprise. This nation has tossed its cap over the wall of space, and we have no choice but to follow it. Le lendemain, Kennedy était assassiné à Dallas. Mais désormais, le programme spatial était lancé et passait directement entre les mains du nouveau président, Lyndon Johnson. Entre-temps, les Russes menaient malgré tout un programme secret pour aller sur la Lune et continuaient à entraîner leurs propres cosmonautes. Mais ce programme se termina très vite, pour tout un tas de raisons. La première fut la mort impromptue de Sergueï Korolev, le père du programme spatial russe. During routine surgery in January 1966, Korolev died. The one figure with the authority and vision to galvanize the system behind the goal of beating the Americans had gone. L'homme qui avait lancé le premier satellite, le Sputnik, mis le premier homme en orbite, Gagarin, et conçu l'ensemble du programme spatial soviétique, était mort sans laisser de successeur. Il n'y avait alors personne capable de reprendre sa place. Cela engendra toute une série de dissensions internes au sein de l'agence spatiale russe et se traduisit par une série de désastres à la chaîne. Pas moins de 4 nouveaux lanceurs de type N1, conçus pour aller sur la Lune, explosèrent durant la phase de décollage. Cela marqua la fin du programme lunaire soviétique, comme le raconte Roald Sakdegev, ex-directeur de l'agence spatiale russe. Remember that in parallel with American Apollo program, Soviets attempted to have their own program. But this Soviet program on kind of counterpart to American Apollo, it failed. It failed because the large rocket, Russian counterpart to Saturn V, exploded several times, even without getting chance to take off. The launching site. Dans l'intervalle, le contexte avait profondément changé aux États-Unis. This evening, I came here to speak to you about Vietnam. I do not have to tell you that our people are profoundly concerned about that struggle. La guerre du Vietnam occupait désormais entièrement l'esprit des Américains, tandis qu'elle accaparait une part de plus en plus importante du budget national. Pendant ce temps,
le programme Apollo devait faire face à toutes sortes d'imprévus et était pratiquement hors de contrôle. Comme l'explique ce documentaire d'époque, le coût du projet lunaire avait dépassé toutes les prévisions avant même le premier lancement. The status of fabrication and testing of Apollo hardware was such that the program had reached and passed its peak costs. Before a single manned Apollo mission was launched, the program itself began to go out of business. À l'automne 1965, le général Phillips, directeur du programme Apollo, présentait à ses supérieurs un rapport dénonçant sans détour l'état chaotique et le retard du programme lunaire. Phillips faisait notamment référence au mauvais fonctionnement du module de commande et du deuxième étage du lanceur Saturne, qui avait été confié à la société aérospatiale North American. Après 4 ans et demi, écrivait Phillips, et un peu plus d'un an avant le premier lancement spatial, il demeure d'importantes difficultés techniques et des problèmes qui affectent le deuxième étage. Il reste certains problèmes techniques concernant les capacités du système électrique, la propulsion secondaire, l'intégrité structurelle, l'accroissement du poids, etc., qui doivent être encore résolus. Les programmes de certification retardés ou incomplets font fortement craindre le fait que nous n'aurons pas de lanceurs pleinement qualifiés pour supporter le programme lunaire. Phillips conclut ainsi. Nous avons de sérieux doutes sur le fait que la North American puisse honorer ses engagements quant au programme et à ses prestations dans le cadre des financements disponibles pour cette partie du programme Apollo. Lors d'une conversation avec le président Johnson, le directeur de la NASA, James Webb, se plaignit de l'absence de fonds nécessaires pour continuer le programme préétabli. Well, I mean, these people have got to fly and put men up there, and it's awful. It's awfully hard to go to North America and say we're going to cut you. Back 130 million under your own estimate of doing the work and demand even more work for 130 million less, and you got to find a way to do it. Et de fait, les problèmes dénoncés par Phillips, plutôt que de se résorber, continuaient de se multiplier, donnant lieu à une spirale de coûts additionnels et de nouveaux retards qui semblaient sans fin. Un réservoir du module de commande avait été éventré pendant la phase de test. Le système de contrôle de l'air dans le module de commande ne fonctionnait pas, et il fallut repartir à zéro. Le deuxième étage du lanceur Saturne avait explosé une première fois en 1965 et une nouvelle fois en 1966, retardant ainsi de façon considérable le plan de marche du programme Apollo. On découvrit ensuite des fissures dans la structure du lanceur principal et celle du réservoir de carburant. La confection du LEM, le module lunaire, se heurtait à 1000 problèmes et 1000 autres retards. They find hundreds of problems, things that weren't built right, weren't installed right. Electrical wires that are frayed, possibly broken, and most alarming of all, there are fuel leaks everywhere in the system. Nous arrivons ainsi à l'année fatidique 1967, l'année de la crise. En janvier, Thomas Barron, un employé chargé des vérifications de la North American, présenta à ses supérieurs un rapport de 50 pages qui expliquait que les problèmes révélés dans le rapport Phillips n'avaient absolument pas été résolus. Parmi les principaux problèmes, Barron citait des soucis avec le personnel, avec les pièces de rechange, avec l'équipement et les procédures, sans parler du laisser-aller en matière de standards de sécurité et des incidents que cela avait provoqués. Dans son rapport, Barron dénonçait entre autres un manque de coordination entre les personnes occupant des postes à responsabilité, une absence de communication généralisée, le fait que les personnes occupant des postes à responsabilité ne prenaient pas au sérieux la plupart des problèmes. Et Barron ajoutait « Nous ne devrions pas mettre en danger la sécurité des astronautes au prétexte de respecter le tableau de marche. » Comme pour confirmer les prémonitions de Barron, le 20 janvier, le lanceur qui devait effectuer le premier voyage habité explosa lors de la phase de test. Et 7 jours plus tard, survint la tragédie. Lors d'une simulation à terre d'Apollo 1, la première mission du lanceur Saturne avec des hommes à bord, les 3 astronautes, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, moururent sur la rampe de lancement, brûlés vifs à l'intérieur de la capsule qui aurait dû les emmener dans l'espace 3 semaines plus tard. Notons que quelques instants avant de mourir, Grissom s'était plaint de la mauvaise communication entre la capsule et la tour de contrôle. Ce furent ses dernières paroles. Quelques secondes plus tard, une étincelle se produisit dans la capsule pressurisée à l'oxygène pur. Le premier à s'apercevoir de l'incendie fut White.
et puis le hurlement désespéré de Chaffee. Et puis plus rien. En quelques secondes, c'était fini. Le programme Apollo fut suspendu pour une durée indéterminée, avant même que la première capsule n'ait été lancée dans l'espace. La commission technique chargée de trouver les causes de l'incendie fut confiée à l'astronaute Frank Borman. Ses travaux conclurent que la capsule Apollo devait être revue de fond en comble depuis le début. Cela aurait généré au moins une année de retard dans un calendrier déjà extrêmement serré. Nombreux pensèrent à l'époque que le programme Apollo était fini avant même de commencer. That was quite a shock. I almost had to pull over to the side of the road, catch my breath, because I thought, well, this is the end of our future. The program started to just churn, churn and churn and churn. Pendant ce temps, les mois passaient et l'échéance de 1969 apparaissait toujours plus proche. En mars 1967, le directeur de la NASA, James Webb, se présenta devant la commission des sciences et de l'astronautique. C'était un Webb très différent de celui qui avait soutenu avec enthousiasme le projet lunaire devant le président Kennedy. « Si nous réussissons avant 1969, déclarait Webb, nous serons très très chanceux. Les probabilités de terminer tous les travaux nécessaires sont plus faibles actuellement qu'il y a un an. » Et j'avais déjà témoigné devant cette même commission que les probabilités étaient plus faibles l'an dernier que l'année d'avant. Autrement dit, d'après le directeur de la NASA lui-même, plus l'échéance de la décennie se rapprochait, plus le rêve d'aller sur la Lune apparaissait comme irréalisable. Et ce même James Webb, un an après avoir fait ses déclarations, quitta brusquement la NASA. L'homme qui avait soutenu Kennedy depuis le début, l'homme qui décorait lui-même les astronautes de retour des premières missions en orbite terrestre, l'homme qui avait tout fait pour obtenir du Parlement les fonds nécessaires pour aller sur la Lune, abandonnait soudain le projet de sa vie à une encablure de sa réalisation. Moins de trois mois avant le lancement d'Apollo 8, qui devait pour la première fois faire le tour de la Lune, le 7 octobre 68, James Webb démissionnait de la NASA et se retirait dans la vie privée. Le vice-directeur de la NASA, Robert Simmons, avait lui aussi, et de façon tout aussi inexplicable, démissionné en janvier de la même année. Quand les journalistes du Washington Post lui demandèrent « Il doit bien y avoir une raison pour laquelle vous abandonnez maintenant. Pourquoi ne pas rester jusqu'à ce que nous parvenions sur la Lune ?» Il répondit tout simplement « Je suis là depuis 7 ans, je voulais juste faire 2 ans. » Mais il est clair qu'il y avait dû y avoir quelque chose d'autre et que sa démission avait un rapport avec la situation catastrophique dans laquelle se trouvait le projet Apollo. Encore plus surprenante fut la démission de l'astronaute Walter Schirra, annoncée 4 jours après celle de Webb. Schirra faisait partie des légendaires Mercury 7, le groupe originel d'astronautes de la NASA qui était là depuis le début du programme spatial dans les années 50. Schirra avait déjà volé aussi bien dans des capsules Mercury qu'avec le projet Gemini, et de par sa longue expérience, il était certainement destiné à être envoyé sur la Lune avec le projet Apollo. Pourtant, de façon inexplicable, à quelques mois du début des voyages lunaires, Schirra renonçait à terminer sa carrière en apothéose et se retirait dans la vie privée. La raison pour laquelle ces personnes qui avaient dédié le meilleur de leur vie professionnelle au programme lunaire avaient décidé de l'abandonner à quelques pas de sa réalisation est une question qui n'a jamais reçu de réponse. En réalité, après l'incendie d'Apollo 1, nombreux étaient ceux à la NASA qui pensaient que tout était terminé. Mais ils se rendirent vite compte qu'ils ne pouvaient pas abandonner, car ils se retrouvaient prisonniers d'un défi qu'eux-mêmes avaient lancé devant le monde entier. C'est ce que raconte Chris Kraft, le directeur du Centre spatial de Houston. After the fire, I don't think we would have continued had we not made the commitment. The country made the commitment and they would have looked like a bunch of gooks if they hadn't continued on. C'est à cette époque-là, selon la théorie alternative, que les dirigeants de la NASA auraient décidé de mettre en scène en studio ce qu'ils n'auraient jamais été capables de faire dans la réalité, les alunissages des missions Apollo. De toute façon, à cette époque-là, la NASA avait déjà développé et mis au point toutes les technologies nécessaires pour simuler un voyage complet aller-retour sur la Lune sans avoir à s'éloigner pour autant de la Terre. Comme nous le verrons par la suite, il aurait suffi d'utiliser les images générées par les simulateurs pour faire semblant d'y être vraiment allé.
Il y avait aussi une autre raison pour laquelle les États-Unis ne pouvaient plus faire marche arrière. L'opinion publique américaine avait été galvanisée par une propagande de tous les instants dans laquelle la conquête de la Lune était donnée pour acquise et évidente. Ces extraits de films propagandistes de l'époque montrent clairement l'état d'esprit du moment. Sometime in the future, American astronauts will explore the moon. This is the first of the big Saturn V. Someday it will carry three men and equipment to the moon and back. In a few short years, this scene of man on the moon will be a reality. This is the Apollo command module. A spacecraft like this will one day carry astronauts to the moon and back. This is the lunar module. A similar craft will one day allow two astronauts to sit gently down on the surface of the moon. Kennedy Space Center, a reality in the preparation for manned lunar landings. La presse écrite eut sa part, elle aussi. Les revues publiaient de plus en plus fréquemment des articles montrant l'homme moderne envoyé à la conquête de l'espace. Les livres d'aventures se déroulant dans l'espace se multipliaient. Et au fur et à mesure, le public s'habituait toujours plus à l'idée de coloniser d'autres planètes. Pour une nation qui était née et avait grandi dans le mythe du Far West, la nouvelle frontière de l'espace ne pouvait que devenir le prolongement idéal de ce même état d'esprit de conquête. Ainsi, les fusées interplanétaires, satellites et vaisseaux spatiaux de tout genre devenaient chaque jour plus familiers au public américain. De véritables guides de l'espace étaient publiés, comme celui de Hammond ou de Doubleday, qui illustraient jusque dans le moindre détail les futures missions Apollo. Et il y avait même un guide de l'espace pour les écoles élémentaires. Les enfants dans leur classe s'amusaient à construire leur propre fusée, en rêvant d'aller sur la Lune. If I ever go to the moon, I think it'll be very fun. I just hope to go very, very soon, and I hope I'm not really that old. Disney ne pouvait rater cette occasion. Ils avaient créé à Disneyland toute une section appelée Tomorrowland, entièrement consacrée au voyage dans l'espace. En même temps, Disney publiait régulièrement livres et bandes dessinées dans lesquels les personnages les plus connus se rendaient dans l'espace. Il y avait aussi les albums à colorier pour enfants, avec le papa qui emmenait ses propres enfants visiter la Lune. Ou bien des livres contenant des maquettes de fusées en carton à découper avec les personnages des astronautes. Ou encore des livres en 3D, montrant chaque détail de la vie dans la station spatiale. Et au centre de tout cela, il y avait toujours lui, l'astronaute, la nouvelle figure mythique qui avait remplacé le vieux héros du Far West dans l'imaginaire collectif. Dans une situation comme celle-là, avec cette propagande de tous les instants, une chose est certaine. Si la NASA s'était montrée incapable techniquement d'envoyer des hommes sur la Lune, ou si le faire était trop risqué, à ce point, ils auraient été obligés de faire semblant d'y aller. Il ne leur restait pas d'autre alternative. Avec une nation tout entière, les yeux rivés vers la nouvelle frontière, il n'était plus possible d'admettre la faillite du projet spatial sans voir s'écrouler toute la crédibilité du gouvernement américain aux yeux de sa population. C'est la théorie soutenue par Bill Kaysing, l'homme considéré par beaucoup comme le père de la théorie du complot lunaire. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Bill Kaysing était un ancien employé de Rocket Dyn, la société qui a construit pour la NASA les moteurs des fusées dans le projet Apollo. En 1976, 4 ans à peine après la fin des missions Apollo, Kaysing publiait un livre intitulé « We never went to the moon »,« Nous ne sommes jamais allés sur la Lune », dans lequel il énumérait toutes les raisons pour lesquelles il pensait qu'il était impossible que l'homme soit allé sur la Lune. Et où il expliquait que toute la série d'alunissage avait été filmée dans un studio secret de la NASA. Le livre de Kaysing eut un retentissement assez considérable et fut suivi quelques années plus tard par un autre livre assez similaire écrit par le chercheur indépendant Ralph Renet. Le livre s'intitulait « NASA Mooned America », ce qui signifie « La NASA a trompé l'Amérique ». Ralph Renet soutenait en particulier qu'il était impossible pour l'homme de franchir les ceintures de Van Allen, ces deux ceintures fortement radioactives, larges de plusieurs milliers de kilomètres et qu'il faut obligatoirement traverser pour arriver sur la Lune. There is absolutely no way they went to the moon with what they had.
In fact, there's no way they can go today. There's no way they can go tomorrow. You don't send man where you haven't sent the monkey. Avec le temps, les théories de Ralph René et Bill Kaysing firent de nouveaux adeptes. Mais ce n'est qu'avec l'avènement d'Internet que la théorie du Moon Hoax, le canular lunaire, a commencé à se propager à l'échelle mondiale. Depuis Internet, la NASA a mis en ligne toutes les photographies haute définition prises lors des missions Apollo. Sont également disponibles toutes les vidéos et les enregistrements télévisés des voyages lunaires distribués officiellement par la société Spacecraft Films. Grâce à tout ce matériel, n'importe quel chercheur peut désormais examiner les images originales des missions lunaires. Cela a porté à une multiplication de livres et de documentaires toujours plus détaillés et approfondis, qui remettent sérieusement en cause l'idée que l'homme soit réellement allé sur la Lune. Mais Hollywood a par moments également renforcé la thèse du canular. En 1979, 10 ans après la première mission lunaire, sortait le film Capricorn One. Officiellement, le film raconte l'histoire d'une fausse mission sur Mars que la NASA met en scène depuis un studio télévisé afin d'éviter les risques d'une vraie mission dans l'espace. Mais Capricorn One se référait clairement aux récentes missions lunaires, au point que le sous-titre du film disait « Seriez-vous bouleversé de découvrir que le plus grand moment de notre histoire récente pourrait ne pas avoir eu lieu du tout ?» Les producteurs de Capricorn One n'eurent aucun problème à laisser entendre que la NASA avait pu facilement tromper le monde entier avec de fausses missions Apollo. I believe, had they wanted to, that NASA could indeed have pulled off the greatest hoax of all time, never sent anyone to the moon, and recreated it in a television studio. Si nous y sommes parvenus avec un budget de seulement 4 millions de dollars, expliquaient les producteurs, on ne voit pas bien pourquoi ça n'aurait pas été possible pour la NASA, qui disposait de fonds et de moyens quasi illimité. Et Capricorn One n'est certainement pas le seul film de Hollywood à sous-entendre que les alunissages ont été filmés sur Terre. Dans le film de James Bond, Diamonds Are Forever, on voit tout d'un coup le protagoniste Sean Connery tenter de s'échapper en traversant par erreur un décor cinématographique où sont mis en scène précisément les débarquements sur la Lune. Dans le film des Minions également, le groupe de personnages se retrouve par hasard en train de traverser une scène de studio cinématographique où sont mises en scène les faux alunissages des missions Apollo. Et également dans Coneheads, le fameux film comique avec Dan Aykroyd, les producteurs se moquent ouvertement de l'idée que l'homme soit jamais allé sur la Lune. Chicken embryos, seasoned patties of ground animal flesh. I'm not really hungry, just some Tang. Ah, Tang, the drink the astronauts took to the moon. Astronauts to the moon. Naturellement, il y a aussi ceux qui sont totalement convaincus que nous sommes vraiment allés sur la Lune et qui défendent farouchement la narration officielle de la NASA. Ce sont ceux qu'on appelle les debunkers. Parmi les plus connus et actifs dans le débat, on trouve Phil Plait, responsable du site web Bad Astronomy, Jim Oberg, journaliste expert des questions spatiales, l'italien Paolo Attivissimo, responsable du site Complotti Lunari et collaborateur de l'Apollo Lunar Journal, le site officiel de la NASA sur les missions Apollo. En tant que collaborateur officiel de la NASA, Paolo Attivissimo est une voix particulièrement importante dans le débat mondial concernant le programme Apollo. Il y a aussi Jay Windley, responsable du site Clavius, et les fameux Mythbusters qui ont consacré une émission tout entière à démonter la théorie du complot lunaire. Toutes ces personnes non seulement soutiennent que nous sommes bien allés sur la Lune, mais avancent qu'il existe des preuves irréfutables qui le démontrent. Nous commencerons donc par étudier ces preuves en les analysant une par une. La première preuve régulièrement citée en faveur des missions Apollo se présente sous la forme d'un raisonnement. S'il est vrai que la NASA a truqué les voyages lunaires, disent les débunkers, pourquoi donc les soviétiques se seraient-ils tus au lieu de le dénoncer devant le monde entier ? I russi sono stati zitti perché nessuno se lo sa spiegare. En réalité, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les soviétiques n'auraient de toute façon pas dénoncé le canular lunaire. La première est qu'étant donné leur position, personne au monde ne les aurait crus.
Essayez d'imaginer si réellement les Russes, qui venaient tout juste de perdre la course à la conquête spatiale, avaient dit que la NASA n'était pas allée sur la Lune. Les Américains les auraient immédiatement ridiculisés devant le monde entier en les traitant de mauvais perdants. Avec plus d'un demi-milliard de personnes qui avaient assisté à l'alunissage à la télé, il aurait été extrêmement facile de les faire taire. Si les doutes étaient venus d'une nation neutre, alors certains auraient éventuellement pu la croire. Mais venant de la nation qui venait tout juste de perdre la course à la Lune, personne ne les aurait pris au sérieux. Il existe une deuxième raison, encore plus importante que la première, pour laquelle les Soviétiques n'avaient pas forcément envie de dénoncer le canular américain. Alors que les missions Apollo étaient toujours en cours, des négociations avaient commencé entre Soviétiques et Américains pour un programme spatial commun. L'époque de Kennedy et de Khrouchtchev était révolue, et la présidence Nixon avait fait des pas importants vers un dégel des relations avec l'Union soviétique. We have opened a new relation with the Soviet Union. We must continue to develop and expand that new relationship so that the two strongest nations of the world will live together in cooperation rather than confrontation. Le 24 mai 1972, avec les missions Apollo toujours en cours, Nixon signait à Moscou le fameux accord de coopération spatiale avec les Soviétiques. Et moins d'un an après la dernière mission Apollo, les astronautes américains se rendaient en Russie pour rencontrer leurs homologues soviétiques. Ils participent à des conférences de presse conjointes, visitent leur centre spatial, se familiarisent avec la capsule Soyouz et rendent hommage devant la tombe des grandes figures de la conquête spatiale soviétique, Sergueï Korolev et Yuri Gagarin. Quelques mois plus tard, c'était au tour des Soviétiques de visiter les États-Unis d'Amérique et de connaître de près leurs traditions. Ils visitèrent le centre spatial de Houston, se familiarisant avec la capsule américaine Apollo et travaillant ensemble pour mettre au point le système d'arrimage de leur vaisseau. Tout cela devait culminer, 3 ans seulement après la dernière mission Apollo, par la rencontre historique dans l'espace entre une capsule américaine Apollo et le Soyouz soviétique. Voici les paroles du cosmonaute russe Leonov au moment de partir pour aller s'arrimer à la capsule américaine. Chairman of the State Commission, the crew of the Soyuz spaceship is ready for the joint flight with American spaceship Apollo. We have the great honor of participating in the first international flight of manned spaceships. The fulfillment of this experiment will yield still broader possibilities in our space research. Du côté américain, le ton des commentaires est très comparable. The mission climaxed more than 3 years of planning and preparation. A time during which differences in language, in technology, in political creed were set aside in favor of the common goal. Et effectivement, la mission conjointe entre Russes et Américains allait ouvrir la voie à ce qui allait devenir la Station spatiale internationale, où encore aujourd'hui des astronautes américains, russes, italiens, japonais ou d'autres nations collaborent à un programme spatial commun. Par conséquent, si les Soviétiques avaient dénoncé le mensonge lunaire, non seulement personne ne les aurait pris au sérieux, mais en plus, rien de tout ce qui s'est produit par la suite en termes de collaboration avec les Américains n'aurait pu avoir lieu. Face à un éventuel bluff des Américains, il ne restait donc aux Russes que la solution de se taire, de faire semblant de rien et de regarder le futur avec sourire. Is not what you eat, but with whom you eat. La deuxième preuve, souvent citée par les débunkers, est la suivante. Avec plus de 400 000 personnes impliquées dans le programme de la NASA, disent-ils, quelqu'un aurait forcément parlé. Poi, vabbè, si può considerare una cosa molto banale. All'operazione Luna parteciparono 400 000 tecnici di società private, non militari, non era un'operazione di 4 gatti che lanciano un missile. Quindi tutta questa gente in 40 anni non ha mai confessato nulla. Mais ce sont précisément les prémices de ce raisonnement qui sont faussées. Il n'est écrit nulle part que chacune des 400 000 personnes employées par la NASA devait être au courant d'un éventuel plan pour falsifier les alunissages. Au contraire, le travail de préparation des voyages lunaires fut confié par la NASA à des milliers de sociétés différentes, réparties sur tout le territoire américain et qui travaillaient de façon totalement indépendante les unes des autres. Les employés de Grumman s'occupaient de la confection du module lunaire dans leur établissement de Long Island.
Les employés de ELC travaillaient à la fabrication des combinaisons spatiales dans leur laboratoire du Delaware. Ceux de Boeing travaillaient sur la Jeep lunaire dans l'état de Washington. Les employés de McDonnell Douglas s'occupaient de la réalisation de la fusée Saturn dans leur siège de Californie. Ceux de General Motors travaillaient sur les réservoirs du module de commande dans leur établissement de l'Indiana. Indépendamment de la Lean Group qui développait et mettait au point les simulateurs de vol dans son siège de New York. De fait, comme l'explique ce documentaire de l'époque, il y avait quasiment 20 000 sociétés différentes dans tous les États-Unis qui travaillaient en même temps au projet Apollo. More than 90% of the work is conducted by contractors spread across the nation. In fact, some 20,000 prime contractors, subcontractors and suppliers located in virtually every state are participating in the manned spaceflight programs. L'idée que toutes ces personnes devaient forcément être mises au courant d'un plan pour falsifier les alunissages est tout simplement ridicule. Quand un joueur de foot décide de truquer un match, il n'informe pas le reste de l'équipe de ses intentions. Il met en œuvre son plan tout seul, et les premiers à être piégés sont précisément ses coéquipiers. Un autre exemple est celui du scandale de Volkswagen. En 2015, on a découvert que Volkswagen avait trompé le monde entier en mettant sur le marché des véhicules qui n'étaient pas en règle avec les niveaux d'émissions de gaz de leurs moteurs. Mais cela ne signifie pas que l'ensemble des 600 000 employés de Volkswagen aient été au courant de l'arnaque en cours. Il suffisait d'un groupe relativement réduit de techniciens et de dirigeants pour faire cela, sans que les autres soient au courant pour autant. Dans le cas des missions Apollo, il aurait également suffi qu'un groupe restreint de dirigeants de la NASA soit au courant de la tromperie pour que cela se réalise, à l'insu de tous les autres. Il aurait suffi de prendre le contrôle du signal télé qui arrivait aux stations réceptrices situées sur Terre durant les alunissages des missions Apollo. Officiellement, les images de la première promenade lunaire furent retransmises en direct depuis la Lune et diffusées sur Terre en temps réel vers toutes les télévisions du monde. Mais si au lieu de partir directement de la Lune, cette même promenade lunaire avait été enregistrée en studio sur Terre, et ensuite retransmise aux stations réceptrices par un satellite ou un moyen quelconque, les premiers à n'y voir que du feu auraient été précisément les milliers de techniciens de la NASA qui suivaient en direct la mission Apollo 11. Et avec eux, c'est le monde entier qui aurait été trompé. Il existe aussi, d'après les débunkers, des preuves physiques des alunissages, et donc d'après eux, parfaitement irréfutables. L'une d'elles est la présence sur la Lune du fameux rétro-réflecteur, un objet capable de renvoyer sur Terre un rayon laser et qui aurait été laissé sur la surface lunaire par les astronautes des missions Apollo. D'après les Mythbusters, cela constituerait même une preuve irréfutable et concluante prouvant que l'homme avait bien marché sur la Lune. There's time for just one final test, and not just any old test, but the ultimate proof of man's moon mission. What's this? A reflector. In fact, it's called a retroreflector, made up of many tiny prisms just like this. If there was a retroreflector on the moon, and we knew its exact location, and we had a powerful enough laser, we could detect the reflection and prove there is man-made equipment on the moon. So what you're saying is that we get a really big laser and point it at the reflector on the moon, and if we get a signal back, that means that we were in fact there. Precisely. Pour démontrer leur thèse, les Mythbusters ont mené une expérience depuis l'observatoire américain d'Apache Point. This thing right here is the Apache Point Observatory, and these guys have the tools that we need to put the final nail in the coffin on the moon landing hoax. That's the location where Apollo 15 landed on the moon. That is so cool. Initiating laser on retro reflector from Apollo 15. And there's a spike beginning to stand out. Is that it? That's the return from Apollo 15. Light returning from the laser retroreflector at exactly the wavelength and distance that we were expecting. But it's really thrilling to watch it happen in right in front of us. Not just thrilling, but conclusive. We shined that laser at the moon on the second test, and we got a clear spike back. Photons came back to our receptor. Now the only way that that could happen is if there was a piece of man-made equipment up on the moon to reflect them back. Cela pourrait effectivement passer pour une preuve concluante, mais ce n'est pas le cas. Il est en effet possible de faire se réfléchir un rayon laser sur la superficie lunaire pour le faire revenir sur Terre sans disposer pour ça d'instruments particuliers.
Une telle expérience avait déjà été effectuée par le Massachusetts Institute of Technology en 1962, c'est-à-dire 6 ans avant les missions Apollo. Dans le numéro de décembre 1966 de National Geographic, on peut lire « Il y a 4 ans, un laser à rubis, considérablement moins puissant que ceux utilisés actuellement, a lancé plusieurs impulsions vers la Lune à 390 000 km de distance. Les rayons ont été renvoyés vers la Terre avec une puissance suffisante pour être mesurés par des instruments électroniques ultra-sensibles. » Une expérience similaire a été conduite par les Soviétiques 1 an plus tard. Dans le New York Times du 4 novembre 1963, on peut lire On a fait rebondir un rayon de lumière concentré sur la surface de la Lune et elle a été détectée par un laboratoire soviétique en Crimée. Cette opération était la réplique d'une expérience menée à la fin de l'année dernière par les ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology. Cela se passait 6 ans avant les missions Apollo et l'on parvenait déjà à faire rebondir un rayon laser sur la Lune sans avoir aucunement besoin d'un rétroréflecteur. De plus, même si l'on suppose qu'un instrument de ce type soit réellement présent sur la Lune, cela ne signifie pas pour autant que ce sont les astronautes qui l'y ont apporté. En théorie, un rétroréflecteur pourrait très bien avoir été placé sur la Lune par une sonde automatique. Les Soviétiques ont d'ailleurs fait exactement cela, dans ces années-là, en envoyant sur la Lune des rétroréflecteurs à l'aide des sondes automatiques LunaCode 1 et LunaCode 2. Par conséquent, on ne peut pas considérer les rétroréflecteurs comme la preuve ultime démontrant la réalité des alunissages des missions Apollo. Une autre preuve souvent avancée en faveur des alunissages est celle des roches lunaires, c'est-à-dire tous les exemplaires de matériel rocheux que les missions Apollo auraient rapportés sur Terre. Étant de composition différente de celle des roches terrestres, disent les débunkers, les roches lunaires sont la preuve tangible que l'homme a vraiment été sur la Lune. Le site de debunking Clavius écrit ceci. Les échantillons de terre lunaire rapportés par les missions Apollo sont considérés par beaucoup comme la preuve la plus convaincante de la réalité des missions. Sur son propre site, la NASA écrit. Les roches lunaires et le bon sens montrent que les astronautes d'Apollo ont vraiment marché sur la Lune. En réalité, ces soi-disant roches lunaires en elles-mêmes ne démontrent rien du tout. Même si l'on accepte le fait que leur composition est différente de celle des roches terrestres, il faut rappeler que de nombreuses météorites provenant de la Lune ont été découvertes en Antarctique. Well, I got a phone call once, a fellow with the Smithsonian, and he said, Jerry, we have now a meteorite which I just brought back from Antarctica, which is from the moon. Whole assembly of scientists attacked this object, and at the end of a year and a half, the conclusion was, it was a moon rock. It was unambiguously a moon rock. Il est d'ailleurs assez curieux de voir que Werner von Braun, avec d'autres collègues de la NASA, a visité l'Antarctique précisément en 1967, 1 an avant le début des missions lunaires. Comme le rapporte la New World Encyclopedia, cette expédition fut la première à ratisser systématiquement la surface gelée à la recherche de météorites que l'on disait provenir de la Lune et qui devaient par la suite être utilisées comme matériaux de référence. Rien n'empêche donc que ces matériaux de référence aient été utilisés comme des originaux après les missions Apollo. De plus, il est également possible que la différence de constitution des roches lunaires ait été obtenue sur Terre par des traitements particuliers, comme le suggère Bill Wood, un ingénieur aérospatial. And then I think the vast majority of the hundreds of pounds of moon rocks that we claim to have are made here on Earth. They can be irradiated or exposed to a vacuum or modified in certain minor ways so that they appear slightly different. De fait, en 2009, l'affaire a fait sensation lorsqu'on s'est aperçu qu'une roche lunaire donnée par les Américains au musée d'Amsterdam était en réalité un morceau de bois pétrifié. Un faux de mauvaise qualité donc, présenté au monde comme si c'était une rare et précieuse roche lunaire. Mais même en admettant que ces roches proviennent effectivement de la Lune, elles auraient pu être prélevées par une sonde automatique et pas nécessairement par des hommes. Encore une fois, les Soviétiques firent la même chose au cours de la même période, avec l'émission des sondes automatiques Luna 16, 20 et 24. En aucun cas donc, indépendamment de leur origine et de leur composition, les soi-disant roches lunaires ne peuvent être considérées comme une preuve que l'homme a marché sur la Lune. Compte tenu de tout ceci, on peut même se demander pourquoi la NASA a ressenti le besoin d'affirmer que ces roches étaient la preuve des missions Apollo, alors qu'ils sont les premiers à savoir que ce n'est pas le cas.
D'après les débunkers, les panoramas que l'on voit sur les images des missions Apollo sont trop grands pour avoir été réalisés en studio sur la Terre. Se noi prendiamo le fotografie, questa è la missione Apollo 11, si possono mettere insieme per comporre delle panoramiche. Allora, quanto sarebbe stato grande il set per ottenere una panoramica di questo genere? Giusto per vederla in qualità migliore. Questo è Neil Armstrong, che è fotografo a Buzz Aldrin, clic, 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 in questo modo. Quindi il set ipotetico avrebbe dovuto essere parecchio grande. En réalité, ceux qui soutiennent cette thèse ne connaissent pas les capacités du cinéma à créer des illusions. Voilà par exemple une scène extraite du film Maleficent Desolation, produit par Tom Hanks en 2005. Comme on peut le voir, l'immensité du terrain au loin est très similaire à celle des missions Apollo. Pourtant, voilà la taille réelle du décor où la scène a été tournée. Seul le terrain au premier plan est réel, tout le reste du paysage est projeté sur le fond à l'aide d'effets spéciaux. La seule différence avec les années 60 est qu'aujourd'hui les images de fond sont superposées sur un fond vert avec des techniques numériques, alors que dans le passé, les images de fond étaient projetées sur une toile hautement réfléchissante à l'aide d'une technique appelée projection frontale. L'un des premiers à utiliser la projection frontale fut Stanley Kubrick dans son film 2001 « Odyssée de l'espace ». Voici la fameuse scène initiale des singes dans le désert africain. Comme on peut le voir, la savane dans le fond semble immense. Et ceci est le studio où la scène a été tournée. Seule la première partie du décor est réelle, celle au premier plan. Le reste est juste une photographie projetée sur cet écran hautement réfléchissant. Voici un autre exemple de projection frontale dans le même film de Kubrick. Le terrain au premier plan est réel, et nous sommes dans un studio, alors que le reste de l'image dans le lointain est le fruit d'une projection sur un écran réfléchissant. Une façon de savoir si la projection frontale a été utilisée est de vérifier s'il existe une ligne de séparation continue entre le terrain au premier plan et l'arrière-plan lointain qui traverse tout le cadre de gauche à droite. Voilà en effet la ligne qui sépare en studio le terrain réel du décor projeté dans le fond. Et curieusement, on peut noter que dans de nombreuses images lunaires de la NASA, cette ligne continue est bien présente et traverse l'image de part en part, séparant le terrain au premier plan de l'arrière-plan dans le fond. En outre, si l'on étudie certains panoramas des lieux d'alunissage pris à 360 degrés, on découvre que la ligne continue qui sépare le terrain au premier plan du fond avec les collines est pratiquement ininterrompue sur les 360 degrés, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Cela veut dire soit que les astronautes ont atterri sur une espèce de cône tronqué séparé à 360 degrés des collines alentour, ou que les images ont été réalisées en studio et la ligne continue qui les entoure n'est rien d'autre que la séparation entre le décor réel et le fond artificiel. À l'époque des missions Apollo, Hollywood avait en outre déjà mis au point des systèmes pour utiliser la projection frontale même en mouvement. Et il aurait donc été possible de réaliser des scènes en mouvement avec les collines en arrière-plan projetées sur un fond lumineux. Une autre technique pour obtenir un résultat similaire est celle des fonds peints, comme dans cet exemple de film de Hollywood des années 50. Nicola Pecorini a longtemps travaillé à Hollywood comme opérateur et directeur de la photo pour des films avec Stallone, Terry Gilliam et bien d'autres encore. Nous l'avons interrogé sur cette présumée impossibilité de réaliser d'aussi vastes décors. La thèse di chi dice siamo stati sulla Luna è che sarebbe impossibile costruire un set del genere sulla Terra. Non è affatto vero che è impossibile. Cioè, è dagli anni 30 che fanno set. Perché non è che devi costruire il set fisicamente fino là. Cioè, tu costruisci e poi ci sono dei backdrops. Cioè, i set enormi anche in, come si chiamava, Gone with the Wind, erano dei bei dipinti e i cieli. Une autre technique pour laquelle Hollywood est bien connu est celle de la miniaturisation.
Des lieux apparemment énormes peuvent être reproduits en studio dans les moindres détails. Les modèles réduits sont également souvent utilisés par Hollywood avec une grande efficacité. En fait, on soupçonne fortement que les images du LEM qui repart de la Lune ont été réalisées en studio avec des modèles réduits. En somme, si l'on devait croire que tout ce que nous voyons à l'écran est vrai, on devrait alors croire que New York a été submergé par un imposant tsunami, que des singes gigantesques sont capables d'escalader l'Empire State Building et que le magicien d'Oz existe vraiment. Une autre preuve des alunissages, selon qui soutient la NASA, est l'ensemble des images de la Lune transmises vers la Terre ces dernières années par les diverses sondes spatiales. En 2009, la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter a effectué une cartographie complète de la surface lunaire et a renvoyé vers la Terre ce qui devrait être les lieux d'alunissage des différentes missions Apollo. Il est naturellement très difficile de considérer ces images comme des preuves effectives des alunissages, quand c'est la NASA elle-même qui est soupçonnée d'avoir falsifié les photos des 6 missions lunaires dans les années 60. Aujourd'hui, un adolescent doté de Photoshop pourrait produire des images similaires en moins d'une demi-heure. Le cas de la sonde japonaise Kaguya est légèrement différent. En 2008, cette sonde a cartographié l'ensemble de la surface lunaire et a transmis des données topographiques qui nous permettent de reconstruire par ordinateur la morphologie du sol lunaire. Selon les débunkers, le fait que les images de la sonde Kaguya présentent un terrain très similaire à ceux vus sur les photographies des missions Apollo serait la preuve que les missions auraient réellement existé. Un des exemples que les débunkers utilisent le plus souvent est celui du fameux Hadley Reel, cette espèce de canyon creusé dans la surface lunaire et où aurait aluni la mission Apollo 15. Et questo è il risultato. Ovviamente gli oggetti in primo piano non ci sono perché l'altimetro non riesce a definire anche i sassolini più piccoli, ma le colline sullo sfondo sono assolutamente identiche. Allora, come faceva la NASA ad avere delle fotografie quasi 40 anni fa di un luogo sulla Luna con la forma esattamente giusta che poi 40 anni dopo non saremmo riusciti ad andare a verificare? Come faceva? Mistero. En réalité, il n'y a là aucun mystère. Comme le confirme ce documentaire de 1966, la NASA avait déjà envoyé des sondes pour explorer en détail la morphologie des lieux d'alunissage bien avant le début des missions Apollo. Charting actual landing sites for the astronauts is the job of Lunar Orbiter. Two of the 850-pound satellites have orbited the moon, photographing and mapping wide areas, sometimes sweeping as low as 25 miles above the surface. Here are some of the pictures, pictures helping to determine the height and slope of lunar mountains and the depth of craters. Les relevés étaient si précis que la NASA avait construit une énorme map monde sur laquelle était reporté de façon extrêmement précise chaque détail de la surface lunaire. Il aurait donc suffi de filmer la surface en mouvement de cette map monde en utilisant par exemple ce rail circulaire pour donner l'impression d'être réellement en train de voler autour de la Lune. En outre, concernant la zone de l'Hadley Reel, la NASA avait par ailleurs construit un modèle 3D qui reproduisait dans les moindres détails le lieu d'alunissage d'Apollo 15. Ce modèle réduit en 3 dimensions était ensuite suspendu au plafond et éclairé par des lampes spéciales qui simulaient la lumière du soleil. En cadrant sur le modèle réduit avec cette caméra spéciale qui pouvait s'approcher à quelques centimètres de la surface, la NASA était capable de filmer toutes les phases de l'alunissage, transmettant les images sur les écrans du simulateur comme si c'était des images réelles vues depuis les hublots du LEM. Ce documentaire de la NASA montre en détail comment fonctionnait le simulateur des alunissages. To the left of the simulator is a three-dimensional mosaic of the moon surface. Through closed-circuit television, it presents typical lunar landing displays marked by craters, mounds and boulders. The mosaic gives the astronaut a realistic feel for his final landing approach. Lunar module motion is simulated by moving the map up and down for vertical motion. A camera on a dolly track provides lateral movement. Lights around the camera lens simulate lunar lighting conditions.
With these two simulators, a crew can practice the basic flight elements of the Apollo mission from launch complex to landing on the moon and return to Earth. Comme on peut le voir, les images produites par le simulateur ressemblent tellement à celles du vrai alunissage que la question initiale des débunkers peut être inversée. Non seulement la NASA aurait pu tranquillement répliquer en studio la morphologie des lieux d'alunissage, mais elle aurait aussi bien pu simuler l'ensemble de la phase d'alunissage en utilisant précisément les images du simulateur sans jamais avoir besoin d'aller physiquement sur la Lune. La possibilité de vérifier de près les lieux des alunissages s'est présentée en 2007, lorsque Google a lancé le concours international Lunar XPRIZE. Ce concours offrait une récompense de 30 millions de dollars à la première organisation privée qui réussirait à envoyer un robot sur la Lune capable de parcourir au moins 500 mètres en transmettant les images en direct vers la Terre. Take video and pictures and send them back to Earth so we can all share what your spacecraft can see. Plus de 20 équipes différentes dans le monde entier annoncèrent alors leur désir de participer au concours. Google instaura également une prime supplémentaire de 4 millions de dollars pour qui réussirait à transmettre les images télé en direct de l'un des lieux d'alunissage des missions Apollo. À ce moment-là, Astrobotic Technology, une société de Pittsburgh, annonça vouloir visiter avec sa propre sonde le terrain d'alunissage le plus fameux de tous, celui d'Apollo 11. Mais la NASA ne se montra pas enthousiaste à cette initiative, et en 2011, elle demanda officiellement l'instauration d'une no-fly zone d'au moins 2 km de rayon tout autour des lieux d'alunissage des missions Apollo. L'objectif, selon eux, était de préserver les lieux d'alunissage d'une éventuelle contamination. NASA is taking steps now to preserve the steps they took decades ago on the surface of the moon. They are protecting American landing sites on the moon for historic preservation, presumably because you never know who or what will go back there. And there are a number of missions vying to go back with unmanned craft. They just wanted to clear the area off limits. La demande de la NASA a apparemment été prise très au sérieux, étant donné que tous les participants ont soudainement décidé de renoncer à une prime de 4 millions de dollars. Dans cet article daté de 2012, intitulé « Les fabricants de fusées obéissent aux règles lunaires de la NASA », on peut lire « Les organisateurs du concours à 30 millions de dollars de Google confirment le fait que les concurrents respecteront la demande de la NASA de se tenir loin des sites d'alunissage des missions Apollo. Une équipe de Pittsburgh, dénommée Astrobotic Technology, avait projeté d'aller inspecter de près les objets et les empreintes laissées par les astronautes d'Apollo 11. » Mais son président, John Thornton, a déclaré que l'objectif principal de cette mission a été déplacé au pôle lunaire. En conclusion, non seulement il n'existe aucune preuve concrète que l'homme soit jamais allé sur la Lune, mais maintenant qu'il y avait cette possibilité de voir de plus près les lieux d'alunissage, la NASA a choisi d'imposer l'interdiction de vol sur toutes ces zones, et ce, simplement pour préserver quelques empreintes sur le sol que, de toute façon, personne ne réussira jamais à voir. Passons maintenant aux principales preuves contre les missions lunaires, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ne croient pas que l'homme soit allé sur la Lune. La première question, et certainement l'une des plus importantes, concerne le problème de la radioactivité que représentent les ceintures de Van Allen. En effet, la Terre est entourée par deux ceintures fortement radioactives appelées ceintures de Van Allen. Ces ceintures tiennent leur nom de celui qui les a découvertes, l'astrophysicien James Van Allen. Les formations qu'il a découvertes s'étendent d'un minimum de 1500 km jusqu'à un maximum de presque 40 000 km de la surface terrestre. Jusqu'à ce jour, toutes les missions spatiales avec des hommes à bord, des capsules américaines Gemini aux Soyouz soviétiques, des missions de la navette à celle de la Station spatiale internationale, se sont tenues bien en dessous de la zone dangereuse de radiation, suivant ce qu'on appelle l'orbite terrestre basse. Les seuls hommes dans l'histoire à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen seraient les astronautes des missions Apollo. Cette traversée pose cependant des problèmes qu'aujourd'hui encore, personne ne semble avoir résolus. Voyons de plus près l'histoire des ceintures de Van Allen. En janvier 1958, les États-Unis mettaient en orbite leur premier satellite, Explorer 1. Ce satellite contenait des instruments particuliers conçus par le chercheur James Van Allen
et dont l'objectif était de mesurer la radioactivité dans l'espace. Le satellite fut mis sur une orbite excentrée dont l'altitude variait entre un minimum de 360 km et un maximum de 2500 km. Grâce à cette trajectoire excentrée, Van Allen fit la double découverte surprenante suivante. Non seulement la radioactivité augmentait à mesure que l'on s'éloignait de la Terre, mais au-delà d'une certaine distance, le compteur Geiger descendait brusquement à zéro avant de revenir à un fonctionnement normal. C'est Van Allen lui-même qui raconte cette expérience. And I began to understand that what was going on here because we had segments of this orbit when it came down to low altitude which looked quite normal. Then we had a very rapid change, very rapid increase in cutting rate and then it dropped back to nothing. And then a few minutes later it came up from nothing to a very high rate and then dropped back to a normal value. And this pattern was repetitive, it seemed to be a systematic pattern. La raison de la brusque descente à zéro était due au fait que les radiations devenaient tellement intenses à partir d'une certaine altitude que le compteur Geiger cessait de fonctionner. And now we'll jump above 600 miles and we'll see what happens when we get closer to the source of radiation. Uh-oh, there it goes back down to zero again. Yes. The transition said yes. It went into something that was strong and then went to zero. Therefore, obviously, had encountered intense radiation. C'est ainsi que furent découvertes les fameuses ceintures de Van Allen, deux zones circulaires situées dans la magnétosphère qui protègent la vie sur notre planète en piégeant en leur sein les radiations les plus dangereuses provenant du cosmos. En 1959, Van Allen écrivait: nous avons découvert que notre planète est entourée d'une région, ou plutôt de deux régions, de radiations à haute énergie qui s'étendent dans l'espace sur plusieurs milliers de kilomètres. Cette découverte, écrivait Van Allen, est bien évidemment préoccupante pour les astronautes. Le corps humain devra d'une manière ou d'une autre être protégé de ces radiations, même pour un court passage à travers cette région de l'espace. Par la suite, Van Allen publia un autre article intitulé « La zone dangereuse ». La Terre est entourée par des ceintures mortelles de radiation. Parlant de la ceinture interne, Van Allen écrivait ceci. Du fait de la grande faculté de pénétration des protons à haute énergie présents dans cette zone, un bouclier efficace est encore bien loin de nos capacités techniques dans un avenir proche. Et l'article concluait ainsi. Toutes les tentatives de mission humaine dans l'espace doivent se tenir loin de ces deux ceintures de radiation jusqu'à ce que soient développées des méthodes adéquates pour en protéger les astronautes. Dans ce film de l'Académie scientifique de Californie également, on insiste sur la nécessité de protéger les astronautes contre cette zone de radiation qui est qualifiée de mortelle. The existence of the Earth's radiation belts presents a very serious hazard to future space travel. What is the intensity of this radiation? What does it consist of? How much shielding will the first space travelers need in order to penetrate these deadly areas of radiation safely? La nécessité de développer de nouvelles technologies pour se protéger des radiations était perçue comme un besoin très clair par le président Kennedy lui-même. Third medical space research may lead to new safeguards against hazards common to many environments. Specifically, our astronauts will need fundamentally new devices. Les soviétiques aussi, naturellement, craignaient les effets des radiations venues de l'espace sur le corps humain. Of course, we were worried to go out into the unknown of space. Of course, we were fearful. We had no idea how humans would be affected by the radiation. We suspected that possibly the radiation could even penetrate through the craft itself. Et de fait, la NASA avait pris cette affaire très au sérieux, mettant au point des systèmes pour étudier la tolérance humaine aux effets des radiations. At Kirtland Air Force Base, New Mexico, development of a plastic man with the same atomic composition as human tissue enabled scientists to accurately determine the depths of radiation penetration as well as doses without actual human exposure. Il se produisit cependant une chose assez curieuse par la suite. Quand vint le moment de lancer les premiers astronautes vers la Lune, le problème des radiations semblait avoir magiquement disparu. Sans que soit mise au point une quelconque technique de protection, et sans même avoir envoyé d'abord un singe dans l'espace à travers les régions radioactives, en 1968, la première fusée Apollo 8 était lancée vers la Lune. Ce fut la première à devoir traverser les ceintures de Van Allen.
La capsule dans laquelle voyageaient les astronautes possédait seulement une fine couche d'aluminium sans aucune protection spécifique contre les radiations. No, the walls of the craft were made as thin and light as possible. The Apollo capsule itself was made unusually thin. In fact, they couldn't even initially carry enough air inside to be the equivalent to sea level air pressure. They ran it at reduced pressure in order to be able to make the walls thinner. Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders furent les trois premiers êtres humains à traverser les ceintures radioactives. Pourtant, pendant leur mission, cela ne sembla pas les préoccuper le moins du monde. Voici les images des trois astronautes alors qu'ils se trouvent à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Pourtant, on dirait que le sujet de conversation le plus intéressant est le comportement de la brosse à dents en l'absence de gravité. Dans le rapport final sur Apollo 8, un document de plus de 250 pages plein d'informations techniques de toutes sortes sur la mission à peine terminée, la traversée des ceintures de Van Allen n'est même pas évoquée une seule fois. C'était comme si le problème des radiations et tous les risques annoncés par Van Allen n'avaient tout d'un coup jamais existé. Après Apollo 8, 8 autres missions ont suivi la même route, traversant chacune par deux fois, une à l'aller et l'autre au retour, les ceintures de Van Allen. Certains des bunkers soutiennent que le problème des ceintures de Van Allen a été résolu en choisissant une trajectoire de sortie et de retour qui évite la zone la plus dense en radiation. À ce propos, sur le site de Debunking Clavius, on peut lire « Les navigateurs d'Apollo choisirent une route qui traversait la partie la plus fine des ceintures. Chaque mission a suivi une trajectoire légèrement différente, mais l'inclinaison orbitale de la trajectoire lunaire a toujours été d'environ 30 degrés. » En suivant cette trajectoire, explique le site Clavius, un vaisseau pouvait tout éviter, sauf les bords les plus externes des ceintures de Van Allen. Paolo Attivissimo écrit lui aussi dans son livre « Pour les contourner, ou pour passer à travers les zones les moins intenses, il suffit d'adopter une trajectoire judicieusement inclinée. C'est ce qu'ont fait tous les vaisseaux des missions Apollo, à l'aller comme au retour. » Mais cette affirmation est démentie par la NASA elle-même. Par exemple, pour la mission Apollo 14, la NASA explique « La trajectoire lunaire était plus proche de l'équateur géomagnétique que les missions précédentes, ce qui fait que le vaisseau a traversé le cœur même des ceintures radioactives. » De toute façon, la NASA a toujours minimisé le problème, publiant des tableaux montrant que les radiations reçues par les astronautes étaient bien en dessous des seuils d'alerte. À ce propos, la NASA a écrit « Les doses reçues par les astronautes d'Apollo étaient négligeables en termes de conséquences médicales ou biologiques, qui aurait pu compromettre les fonctionnalités humaines dans l'environnement spatial. » Et même selon les débunkers, une mission lunaire de quelques jours comme celle d'Apollo expose à des radiations globalement équivalentes à celles d'une radiographie ou à 3 ans de vie sur Terre. Problème résolu donc. Évidemment, Van Allen s'était trompé quand il disait qu'il serait nécessaire de protéger les astronautes des rayonnements radioactifs, même pour un court passage à travers cette région de l'espace. Cela étant dit, il reste un dilemme à résoudre. Puisque le problème a été si brillamment résolu dans les années 60, comment se fait-il, alors que la NASA annonce vouloir retourner sur la Lune avec les missions Orion, que les ceintures de Van Allen recommencent à être classées comme dangereuses ? My name is Kelly Smith and I work on navigation and guidance for Orion. We are headed 3600 miles above Earth. 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Mais comment ça? Nous devons relever ces défis avant d'envoyer des personnes dans cette région de l'espace. Dans les années 60, les radiations reçues par les astronautes d'Apollo étaient équivalentes à celles d'une simple radiographie. Et aujourd'hui, nous devons relever ces défis avant d'envoyer des personnes dans cette région de l'espace ?
Nous sommes donc face à une situation assez déconcertante. Jusqu'en 68, les ceintures de Van Allen étaient considérées comme très dangereuses par la communauté scientifique. Puis, pendant les missions Apollo, tout d'un coup, elles ne présentent plus de danger et on peut les traverser tranquillement. Et aujourd'hui, elles sont de nouveau considérées comme très dangereuses. Curieusement, les astronautes modernes disent aussi que nous ne sommes pas encore en mesure d'aller au-delà de l'orbite basse et que peut-être un jour, nous serons capables d'aller sur la Lune ou sur d'autres planètes. Le plan que NASA a est de build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. Et ce n'est pas l'interview de l'astronaute Alan Bean, l'un des participants à la mission Apollo 12, qui va nous aider à clarifier la situation. En théorie, Bean est l'un des rares êtres humains à avoir traversé les ceintures de Van Allen. Pourtant, il n'est pas sûr de les avoir jamais atteintes, mais en plus, il ne sait même pas où elles se trouvent. Any ill effects from the Van Allen radiation belts? No, now I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. Et écoutez ce que répond Bean quand on lui explique que les ceintures de Van Allen se trouvent entre la Terre et la Lune. The belts are 1,000 miles to 25,000 miles above the Earth. Then we went right out through them. Voilà une bien étrange réponse. Au fond, c'est ce même Attivissimo qui explique dans son livre que les astronautes sont tous entraînés à calculer des trajectoires, des rendez-vous et des orbites en utilisant des règles de calcul et en s'orientant par rapport aux étoiles. Comment pourrait-on croire que l'un des rares hommes à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen ne sait même pas où elles se trouvent ? Ou bien faut-il comprendre qu'Alan Bean, dans un moment d'inattention, a laissé échapper une vérité bien incommode. I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Question. Pouvez-vous expliquer pourquoi, malgré tout ce que Van Allen avait écrit sur la dangerosité des radiations, la NASA a envoyé les astronautes d'Apollo 8 dans les ceintures de Van Allen sans protection particulière et sans même y avoir d'abord expédié un singe, de façon à évaluer les effets des radiations sur un organisme biologiquement aussi complexe que le corps humain. S'il est vrai, comme le soutiennent les débunkers, qu'une mission lunaire expose à des radiations globalement équivalentes à une radiographie, alors pourquoi aujourd'hui la NASA définit-elle les ceintures de Van Allen comme une zone de radiation dangereuse ? S'il est vrai, comme le dit la NASA, que voilà 50 ans, le voyage vers la Lune exposait les astronautes à des doses négligeables de radiation, pourquoi aujourd'hui cette même NASA, parlant des ceintures de Van Allen, explique que « nous devons d'abord relever ces défis avant de pouvoir envoyer des hommes dans cette région de l'espace ». Comment est-il possible que l'un des rares êtres humains à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen ne sache même pas où elles se trouvent et ne sache pas avec certitude s'il est allé assez loin pour les atteindre ? Passons maintenant aux alunissages proprement dits, et regardons de plus près le module spatial appelé LEM, qui aurait transporté pas moins de 12 astronautes et passagers sur la Lune au cours de 6 missions différentes. Le LEM, ou module lunaire, est le module spatial conçu pour emmener les astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Mais c'est justement ce LEM lui-même qui suscite toute une série de questions, au point de laisser penser que ce véhicule n'est jamais vraiment allé sur la surface lunaire, et qu'il s'agit seulement d'une espèce de modèle réduit géant soigneusement disposé dans un décor de cinéma. Vu de loin, en fait, le LEM nous apparaît comme une petite merveille de technologie. Mais sitôt qu'on s'en approche, on découvre qu'il ressemble plus à une maquette de studio de cinéma construite à la va-vite, avec des tubes en acier et des feuilles en carton maintenues ensemble à l'aide de simples bouts de scotch. «
Ce qui frappe surtout, c'est l'usage massif de scotch, collé n'importe comment et un peu partout, comme s'il s'agissait de retouches faites au dernier moment. Avec des températures qui dépassent les 100 degrés au soleil, cela ne semble pas une bonne idée d'utiliser du scotch partout comme cela. Les débunkers soutiennent que l'usage du scotch a fait l'objet d'un choix motivé et précis. Una delle teorie, per esempio, è che il modulo lunare è rivestito di lamierino. Si vede addirittura che è unito con lo scotch. Quindi era un simulacro di cartapesta. No, non è vero. Si va a vedere la documentazione tecnica e salta fuori che il modo migliore per applicare senza aggravare il peso il rivestimento termico in modo che non venisse surriscaldato dal sole era di usare dei giunti adesivi invece della rivettatura che con la dilatazione termica avrebbero causato delle sollecitazioni. Mais cette explication n'est guère crédible. En effet, comme on peut le voir, le LEM est criblé partout de rivets métalliques. Par conséquent, on ne s'explique pas cet amateurisme dans la construction du module lunaire, avec des moteurs recouverts de papier aluminium, des panneaux qui s'assemblent mal les uns avec les autres, et le scotch qui semble avoir été ajouté au dernier moment, apparemment pour tenir ensemble les panneaux qui sinon tomberaient les uns après les autres. Le module lunaire a coûté plus de 2 milliards de dollars de l'époque, équivalent à plus de 21 milliards de dollars en valeur de 2016. Peut-on vraiment croire que la NASA a dépensé tout cet argent pour envoyer dans l'espace un véhicule recouvert de panneaux en carton? Le second problème que pose le LEM, c'est que sur le terrain situé en dessous, il n'apparaît aucune marque dans le sable, alors que celui-ci aurait dû être chassé par le souffle du moteur. Selon les débunkers, il n'y a pas de raison pour que le LEM ait fait une marque au sol, car une faible puissance lui suffit pour atterrir et il le fait sur une surface très rocheuse de type volcanique. Sulla Luna, essendoci un sesto di gravità, il peso che deve essere sostenuto dal motore è un sesto, quindi la spinta che viene scaricata sul terreno è molto modesta. Non c'è motivo di produrre un cratere, oltretutto in una superficie rocciosa, di roccia vulcanica come quella della Luna. Mais la surface sur laquelle se serait posé le LEM n'est pas du tout rocheuse comme l'avance Attivissimo. C'est Neil Armstrong lui-même qui contredit cette affirmation lorsqu'il décrit un terrain recouvert de poussière très fine. Although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it, it's almost like a powder. L'astronaute d'Apollo 14, Alan Shepard, fit un commentaire très similaire. The soil is so soft that it comes up all the way to the top. James Irwin, astronaute d'Apollo 15, parlait même d'une couche de terrain mou, profonde d'environ 15 cm, tout autour des pieds du LEM. Et de fait, lors des prises de vue, on voit clairement une grande quantité de poussière qui est chassée par la turbine centrale du LEM. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas de marque au sol? Cette animation nous aide à comprendre encore mieux ce qui devrait se passer durant l'alunissage. Exactement comme cette souffleuse de feuilles qui éjecte la poussière en surface et dévoile le sol, on s'attendrait à voir sous le LEM une marque dans le sable qui révélerait le terrain rocheux sous la couche sableuse. Mais il n'y a pas de telles traces. Cette animation montre l'atterrissage simulé de la sonde Phoenix sur Mars qui s'est déroulé en 2008. Comme on le voit, Phoenix utilise aussi des réacteurs pour descendre et se poser. Et voici les images réelles du terrain expédié vers la Terre après l'atterrissage sur Mars. Comme on peut voir, le sable en surface a été balayé par le souffle des turbines que l'on aperçoit en haut de l'image et a ainsi dévoilé le sol sous-jacent. Pourquoi la même chose ne s'est-elle pas produite sur la Lune ? Question. Si une simple souffleuse de feuilles peut chasser le sable en surface et révéler le sol en dessous, pourquoi cela ne se produit-il pas sous le moteur du LEM? Et pourquoi voit-on encore sous le moteur des gravillons qui n'ont même pas été éjectés au loin lors de l'alunissage? Étant donné que James Irwin parle d'une couche molle épaisse de 15 cm, pourquoi sous le moteur du LEM ne voit-on aucune marque dans le sable? Un des problèmes liés à celui de l'absence de marque au sol sous le module est l'absence totale de sable à l'intérieur des pieds en forme d'assiette du LEM. Si ces images illustrent bien les jets de poussière générés par l'alunissage,
pourquoi ne retrouve-t-on pas de poussière à l'intérieur des pieds? Mais même dans ce cas, Attivissimo a une explication, un peu particulière il est vrai. La prima missione era molto sperimentale e gli ordini erano appena tocchi il suolo devi spegnere il motore. Invece era tanta l'emozione, la tensione di quel primo allunaggio che non si sono ricordati di spegnere il motore. Lasciando il motore acceso, spazzano via tutta la polvere che c'è intorno al modulo lunare ed è per questo che le zampe sono pulite. Mais l'affirmation d'Attivissimo est fausse. Il suffit de regarder le film original de l'alunissage d'Apollo 11 pour comprendre qu'Armstrong donne l'ordre d'éteindre les moteurs juste après que les lumières de contact se sont allumées et donc avant que le LEM ne touche le sol. Contact light. OK, engine stop. APA at a descent. Dans cette déclaration aussi, faite après la mission, Armstrong confirme que le moteur a été éteint un peu avant que le LEM ne touche le sol. In any case, the engine shutdown was not very high above the surface. It was quite close. En outre, le problème de l'absence de poussière dans les pieds se vérifie aussi pour d'autres missions, comme par exemple pour Apollo 12 ou Apollo 14. Et donc l'explication d'Attivissimo n'est pas valide dans tous les cas. Il faudrait d'ailleurs que les débunkers se décident. On ne peut pas soutenir à la fois que le souffle du moteur était tellement faible qu'il n'était même pas capable de laisser une trace dans le sable, mais qu'il était suffisamment puissant pour éjecter au loin la poussière présente dans les pieds du LEM durant l'alunissage. L'une de ces deux affirmations doit nécessairement être fausse. Nous posons donc la question suivante. Si ceci est bien la quantité de poussière soulevée par les moteurs du LEM pendant l'alunissage, pourquoi, dans les pieds du LEM, ne trouve-t-on pas la moindre trace de la poussière soulevée? Comment est-il possible que le souffle du moteur du LEM soit assez fort pour éjecter toute la poussière présente dans les pieds et en même temps trop faible pour laisser la moindre marque dans le sable pendant l'alunissage? Venons-en maintenant à l'un des problèmes les plus importants concernant le LEM. L'absence de flamme visible sous son moteur pendant la phase de décollage. Le module lunaire est constitué de deux blocs séparés, un bloc inférieur et un bloc supérieur, chacun disposant d'un moteur indépendant. Le premier, le bloc inférieur, servait à faire atterrir le vaisseau complet sur la Lune, tandis que le second servait à faire décoller la partie supérieure du module, celle contenant les astronautes. Les deux moteurs fonctionnaient avec un carburant spécial appelé hypergolique. Il s'agit d'un carburant qui brûle simplement en mettant en contact deux composants chimiques particuliers et qui n'a pas besoin de système de mise à feu proprement dit. Les débunkers soutiennent que l'absence de flamme visible est due justement à ce carburant hypergolique. Sur son site Bad Astronomy, le débunker Phil Plate écrit « Il y a une explication toute simple au fait qu'on ne voit pas de flamme sous le vaisseau quand il repart. Les carburants utilisés ne produisent aucune flamme visible. » Attivissimo, lui aussi, écrit dans son livre « Le produit de la combustion de ces substances est incolore et transparent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de flamme sous le LEM au décollage. » Mais cette affirmation est fausse. Les carburants hypergoliques produisent une flamme bien visible, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Voici un test du moteur de la navette spatiale SpaceX, qui utilise du carburant hypergolique. Comme on le voit, la flamme est bien visible pendant la combustion. Et ceci est un test du moteur de décollage du LEM, précisément celui dont nous parlions. To keep it simple, it used so-called hypergolic propellants, a rocket fuel and an oxidizer that explode on contact. Comme vous le voyez, la longue flamme du carburant hypergolique est clairement visible sous le moteur du LEM pendant la combustion. Sur les images originales de la mission Apollo, pourtant, on ne voit aucun jet. Voici les images retransmises vers la Terre du redécollage d'Apollo 15, celle d'Apollo 16 et celle d'Apollo 17. Dans aucun des trois cas, on ne voit le jet de gaz du moteur qui devrait pourtant être présent sous le moteur du module. On pourrait croire que le carburant hypergolique, dont la combustion est bien visible sur Terre, pour une raison inconnue, deviendrait invisible dans le vide de l'espace. Mais ce n'est pas le cas, comme le montrent ces différents exemples. Ceci est un test du moteur Draco, utilisant du carburant hypergolique enfermé dans une chambre à vide. Comme on peut le voir, le jet émis est quand même bien visible.
Le Shuttle aussi utilise du carburant hypergolique pour ses moteurs de positionnement. Et le Shuttle montre clairement le jet de ses moteurs d'orientation lors de ses manœuvres dans le vide spatial. Voici une autre image du Shuttle qui manœuvre dans le vide en utilisant ses moteurs de positionnement. Le jet de la combustion hypergolique est clairement visible. Voici par ailleurs le vaisseau Soyouz, filmé alors qu'il s'approche de la Station spatiale internationale. Lui aussi utilise du carburant hypergolique pour ses moteurs directionnels, et dans ce cas aussi, on peut clairement voir les jets, même si cela se déroule dans le vide. Ils sont même encore plus visibles à cause du contraste avec le fond noir du vide sidéral. Tous ces exemples montrent bien que la combustion du carburant hypergolique est tout à fait visible, même dans l'espace. Par conséquent, nous posons la question suivante. Étant donné que ceci est le moteur du LEM lors de tests faits sur Terre, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune flamme, aucun jet visible quand il repart de la Lune ? Non seulement le moteur du LEM ne laisse voir aucune flamme lors du décollage, mais il semble en plus ne produire aucun son particulier. Voici le bruit produit par le moteur du LEM lors de tests faits sur la Terre. Pourtant, pendant les phases de départ, depuis la surface de la Lune, on n'entend aucun bruit particulier. Juste la voix tranquille des astronautes, sans aucun bruit de moteur dans le fond. Certains débunkers expliquent que dans l'espace, le son ne se propage pas et va se perdre à l'extérieur. C'est pourquoi l'on n'entend rien à l'intérieur de la cabine. Mais la cabine est pourtant bien pressurisée, et le moteur est situé au centre de la cabine, entre les deux astronautes. Ce technicien de la NASA nous montre exactement où se trouve le moteur à l'intérieur du LEM. This is the upper docking hatch through which the astronauts will enter the LEM from the command and service module. They will step down here on the ascent engine cover. The engine we looked at before is right on the other side of this cover. Et le même site de debunking, Clavius déclare: le moteur de remontée est situé à l'intérieur du module, il n'est pas attaché sous le module. Même Attivissimo confirme que dans le LEM, les astronautes sont littéralement assis sur le moteur. Praticamente basta avere un cilindro di latta con un motore sotto e gli astronauti americani erano seduti letteralmente sul motore, cioè avevano qua. Lors de la phase de départ, donc, le moteur qui est en contact direct avec l'air pressurisé de la cabine devrait émettre un bruit bien audible. Une autre explication des débunkers pour l'absence de bruit du moteur est celle-ci. Les micros utilisés par les équipages dans l'aéronautique sont conçus spécialement pour opérer en milieu bruyant, et qu'il faut donc parler tout près du micro pour bien se faire entendre. Mais il n'existe pas de micro miracle capable d'éliminer tout le bruit ambiant. Si des sons parviennent à l'oreille des astronautes, le micro le captera inévitablement. D'ailleurs, lors du redécollage d'Apollo 15, une chose tout à fait curieuse s'est produite. Quelques instants après le décollage, l'un des astronautes a allumé un magnétophone portable qui se trouvait dans la cabine pour avoir un fond musical. Comme on peut l'entendre, la musique provenant du magnétophone est parfaitement audible, tandis que le moteur, qui à cet instant est à son maximum de poussée, n'émet aucun son. Question. Étant donné, comme le confirment d'ailleurs les débunkers eux-mêmes, que les astronautes sont littéralement assis sur le moteur placé à l'intérieur de la cabine, pourquoi n'entendons-nous rien pendant le décollage ? Étant donné que lors du décollage d'Apollo 15, on distingue clairement la musique provenant d'un petit magnétophone dans la cabine, comment se fait-il que l'on n'entende aucun bruit de moteur ? Le redécollage de la Lune est sans doute le moment le plus délicat de toute la mission. Les astronautes doivent garder une concentration maximale et doivent pouvoir communiquer entre eux instantanément si quelque chose se passe mal. Pourquoi alors mettre en danger leur propre sécurité en faisant retentir cette musique dans la cabine et en risquant ainsi de perdre leur concentration et de ne pas pouvoir communiquer clairement entre eux ? Il est évident que si l'on voulait vérifier que le module lunaire était bien un engin capable d'atterrir et de repartir de la Lune, il suffirait de prendre les plans originaux du LEM et de les insérer dans un ordinateur moderne de simulation.
Avec les outils informatiques dont nous disposons aujourd'hui, il serait en fait extrêmement facile de vérifier toutes les fonctionnalités du LEM sans avoir besoin de le renvoyer dans l'espace. Malheureusement, les plans originaux du module lunaire n'existent plus. Apparemment, la société Grumman qui a construit le LEM a décidé de s'en séparer car ses plans prenaient trop de place. Pour expliquer ce geste incompréhensible, le site de Debunking Clavius affirme « Grumman est une société d'ingénierie aérospatiale et non un musée. Il ne désirait pas archiver les milliers de mètres cubes de documentation du projet et en assumer le coût. » Alors justement, pourquoi ne pas les donner à un musée ? Le LEM est la seule machine au monde à être parvenue à emmener des êtres humains sur un autre corps céleste. Il a donc une valeur exceptionnelle, et il y a sûrement des dizaines de musées dans le monde qui se seraient mis en quatre pour pouvoir exposer au public ces plans de construction. Au lieu de cela, il faudrait croire que toute cette documentation a été détruite simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place pour la stocker. Mais il y a un fait encore plus déconcertant que la disparition des plans du LEM. Il s'agit de la disparition des bandes originales qui contenaient les images des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Now, nearly 40 years after the first moon landing, NASA has confessed that the original film depicting Neil Armstrong's giant leap has been lost. Well, not lost, says NASA, just can't be found. Nous parlons tout simplement ici du document le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Les premiers pas d'un être humain sur un autre corps céleste, le tout enregistré sur une bande magnétique par les stations réceptrices situées sur Terre. Comme tel, on s'attendrait à ce que ces bandes magnétiques soient conservées sous clé, dans un air à température et humidité ambiante contrôlée, dans un lieu accessible seulement par quelques personnes triées sur le volet. Mais rien de cela ne s'est produit. Avec une grande sérénité, la NASA nous explique qu'elle ne retrouve pas les bandes originales. La nouvelle fut tellement déconcertante que le réalisateur Aaron Rannon a voulu vérifier tout ceci en personne en interviewant directement l'ex-directeur de vol de la mission Apollo 11, Jen Kranz. I haven't seen anything that indicates the telemetry data is even in existence, and as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. But your own research has shown the telemetry data is missing. That's right. Dans les archives de la NASA aussi, au Centre spatial Goddard du Maryland, Aaron a reçu la même réponse embarrassée. We have been unable to track it down. I mean, we don't know where this telemetry data ended up, and we don't know what path it may have taken. So, unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists or not. Mais écoutons plutôt l'explication de ces faits inconcevables qui nous est donnée par les débunkers. L'ha persa per una ragione puramente burocratica. All'epoca questi nastri erano considerati inutilizzabili. La registrazione del segnale televisivo fuori standard fu registrata su una traccia dei nastri di telemetria, quelli che davano le pulsazioni, lo stato del veicolo e via dicendo. Secondo prassi, dopo un certo numero di anni, i dati di telemetria delle missioni, se non li chiama più nessuno, vengono mandati alla cancellazione, perché i nastri costano e allora non si lasciano lì a marcire, si smagnetizzano, si riutilizzano. D'après Attivissimo, donc, il y aurait une pratique habituelle de la NASA consistant à détruire automatiquement les bandes magnétiques si personne ne les a plus demandées. Même si ces bandes, comme nous l'avons vu, contiennent tout simplement la documentation la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Néanmoins, soyons clairs, la perte des images originales des premiers pas de l'homme sur la Lune n'est pas en soi un dommage irréparable, puisqu'il existe des copies de leurs transmissions numérisées récemment et qui sont même de meilleure qualité que les originaux disparus. Mais le problème est que ces bandes, en plus des images de la promenade lunaire, contenaient des données scientifiques importantes de télémétrie qui allaient du rythme cardiaque des astronautes aux mesures techniques de l'état des instruments du LEM, et donc aussi de sa situation effective dans l'espace à ce moment-là. Donc, si par hasard, le LEM ne se trouvait pas à cet instant à la surface de la Lune, ou si la situation à bord était, d'une façon ou d'une autre, différente de celle qui a été racontée, on aurait pu le déduire très facilement des données de télémétrie. Par conséquent, ceux qui le désirent peuvent tranquillement continuer à croire à l'histoire des bandes effacées et réutilisées parce que ça coûtait trop cher. Les autres peuvent voir poindre une question légitime. Qu'y avait-il donc de si important sur ces enregistrements qu'il faille inventer une excuse si peu crédible, justifiant de ne plus pouvoir donner accès aux chercheurs ou aux scientifiques qui voudraient les examiner ?
Analysons maintenant l'aspect des télécommunications entre la Terre et la Lune. Il y a en effet plusieurs éléments qui ne cadrent pas, comme par exemple le retard des communications radio entre la base de Houston et les astronautes. La distance entre la Terre et la Lune est d'environ 400 000 km. Pour cette raison, un signal radio met environ 1 seconde et 3 dixièmes à atteindre notre satellite et 1 seconde et 3 dixièmes pour revenir à la base. Cela signifie que lorsque le centre de Houston posait une question aux astronautes sur la Lune, leur réponse aurait dû mettre au moins 2,6 secondes à revenir à la base. 1 seconde 3 dixièmes pour que la question parvienne à l'astronaute et 1 seconde 3 dixièmes pour que la réponse revienne sur la Terre. Pourtant, il y a certains cas où la réponse des astronautes arrive bien avant ce délai. Voici un exemple. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. La réponse est quasi immédiate. Elle met à peine plus d'une seconde pour nous revenir. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. Ceci est la piste audio originale. Et voici la partie qui contient la question venant de Houston. Et là, la réponse de l'astronaute. Le temps entre la fin de la question et la réponse est seulement de 1 seconde et 1 dixième. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. C'est trop court pour que cette conversation ait pu se produire entre la Terre et la Lune. Naturellement, pour faire ces vérifications, nous avons utilisé les bandes-sons originales de la NASA, non modifiées, qui sont distribuées dans le monde entier par Spacecraft Films. S'il y a une chose d'ailleurs sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est pour dire que les DVD de Spacecraft Films sont les seuls originaux de référence auxquels on peut se fier pour ce type de recherche. Attivissimo lui-même le confirme lors de ses conférences. Poi ci sono i DVD come questo qui, Apollo 11 c'è tutta la serie, sono tutte le trasmissioni televisive che sono state fatte in diretta, lo sbarco, tutto. Quello è il riferimento. Se c'è una falsificazione è lì che la dobbiamo cercare, non è sulla copia trovata su YouTube. Questa è la versione di riferimento. Dans cette conférence également, Attivissimo confirme que ces DVD originaux ne comportent aucune coupure et aucun montage d'aucune sorte. DVD comme questo, che si possono comprare tranquillamente su internet o dove volete, contengono tutte le riprese originali. Tutto. Senza censure, senza tagli, senza rimontaggi, esattamente così come è arrivato. Ce fait est confirmé par Clavius, le site de debunking qui fait autorité sur les questions lunaires. Les DVD de Spacecraft Films, écrit Clavius, contiennent les numérisations des vidéos et les films originaux du programme Apollo, non modifiés. Reste une chose curieuse. Si l'on se rend sur le site de l'Apollo Journal, où la NASA a mis en ligne les transmissions audio divisées en plusieurs petits clips, le retard de communication semble soudain redevenu correct. Ceci est la piste audio de la même scène, prise sur le site de l'Apollo Journal. La question qui arrive de Houston reste inchangée. Mais la réponse semble avoir été placée environ 4 secondes plus tard. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. C'est comme si, en chargeant le clip sur le site, quelqu'un s'était aperçu que la réponse était trop proche et avait inséré une pause pour mettre un délai plus juste. Mais sur la bande audio originale de Spacecraft Films, ce délai n'existe pas. Cette conversation ne peut pas avoir eu lieu entre la Terre et la Lune. Il existe un autre cas où la réponse de l'astronaute arrive beaucoup trop vite. We're interested in either documented samples or rake sample there if you think it looks like a good area for a rake sample. Okay, understand, Joe. 1 seconde et 6 dixièmes. La réponse est trop rapide d'au moins 1 seconde pour pouvoir provenir de la Lune. Il y a même un cas, au cours de la même mission, où la réponse met moins de 1 seconde à parvenir à la base. Rover, this is Houston. Go ahead. 9 dixièmes de seconde exactement. C'est comme si cet astronaute, au lieu de parler depuis la Lune, s'était trouvé dans la pièce à côté. Rover, this is Houston. Go ahead. Question. Étant donné que nous avons examiné les vidéos originales de Spacecraft Films et que les débunkers confirment qu'elles n'ont pas été modifiées, pouvez-vous expliquer pourquoi, à plusieurs reprises, le retard entre la question et la réponse est nettement inférieur à ce qu'il devrait être si la conversation avait réellement eu lieu entre la Terre et la Lune? Venons-en maintenant à un autre aspect des communications qui pose de sérieuses questions de crédibilité, les transmissions en direct à la télévision.
Les trois premières missions lunaires, Apollo 11, 12 et 14, avaient envoyé vers la Terre des images télé relativement mauvaises. Mais à partir d'Apollo 15, la technologie des transmissions télé fut complètement modernisée. Désormais, non seulement les astronautes disposaient du rover, la fameuse Jeep lunaire, mais ils avaient aussi une caméra couleur qui était montée sur le rover, nous permettant ainsi de suivre en direct à la télévision les différentes opérations sur le sol lunaire. Cette caméra, surnommée Rover TV, était manœuvrée à distance directement depuis la Terre par un technicien spécialisé. Pour transmettre les images vers la Terre, les astronautes disposaient d'une antenne spéciale en forme de parapluie montée elle aussi sur le même rover. Naturellement, les astronautes pouvaient transmettre les images seulement quand ils étaient à l'arrêt, entre deux déplacements, car le parapluie devait être pointé avec précision vers la Terre avant de pouvoir commencer à transmettre. La Terre et la Lune sont en effet distantes de presque 400 000 km, et il suffit d'une erreur d'angle même minime pour que la transmission manque la cible. Sur le site de la NASA, on peut lire « L'antenne à haut gain émet dans un rayon assez fin qui permet à la parabole de 85 mètres située sur Terre de recevoir le signal adéquat. L'antenne avait un gain nominal de 24 décibels au centre qui se réduisait à 20,5 décibels sur un cône de 10 degrés d'angle. » Autrement dit, en augmentant l'angle de transmission, on réduisait rapidement le signal. Pointer avec précision l'antenne n'était pas facile, écrit la NASA, et il fallait d'abord effectuer une délicate opération manuelle d'alignement de l'axe de l'antenne émettrice. Après quoi, les astronautes procédaient à l'opération précise de visée à l'aide d'un œillet optique monté directement sur l'antenne. Comme on peut le lire dans le manuel d'entraînement de la NASA, l'opération de visée de l'antenne requiert un instrument optique, puisque la Terre est large d'environ 2 degrés lorsqu'elle est regardée depuis la Lune. Ceci est l'œillet de visée de cet instrument optique. Chaque carré correspond à un angle d'environ 3 degrés. L'alignement de l'antenne, explique le manuel, doit rester dans les 2,5 degrés par rapport à la Terre. Cela se produit lorsque l'image de la Terre se trouve au centre de la cible. Le signal vidéo se dégrade de manière extrêmement rapide au-delà de ce point, à cause du cône d'émission très fin de l'antenne. Autrement dit, il suffit d'une erreur d'alignement de 2 degrés dans n'importe quelle direction pour que la Terre soit totalement en dehors de la cible. Rappelons que la caméra et l'antenne sont toutes deux montées sur le rover, et que par conséquent, une petite ondulation de la première équivaut à une même ondulation pour la seconde. C'est un problème bien connu pour qui s'occupe de transmission par satellite vers la Terre. Les unités mobiles disposent en effet d'un système de pieds amovibles qui sont utilisés une fois l'engin transmetteur correctement positionné de façon à éviter toute oscillation. Et sur la Terre, la marge d'erreur est bien plus grande que pour une transmission depuis la Lune, car nous parlons d'une distance des satellites géostationnaires bien inférieure à celle entre la Terre et la Lune. Il est évident que pour maintenir la connexion avec la Terre, le rover devait rester pratiquement immobile pendant toute la durée de la transmission. Or, nous avons plusieurs situations où les astronautes font bouger ostensiblement le rover et donc aussi l'antenne sans pour autant que le signal ait été interrompu. En général, cela advient quand l'un des astronautes s'approche du rover pour y prendre ou y déposer des instruments. Pour évaluer l'ampleur des ondulations, il suffit de regarder comment la ligne d'horizon bouge tout au fond. Doté d'amortisseurs très souples, le rover oscille de façon visible dès que quelqu'un le touche. Mais comme nous l'avons dit, le signal télé ne décroche jamais. Rappelons que chaque oscillation de la caméra correspond aussi à une oscillation de l'antenne émettrice. Pourtant, comme par magie, le signal télé ne s'interrompt jamais et ne se dégrade pas le moins du monde. «
Vu à travers l'œillet de visée optique de l'antenne, les oscillations du parapluie doivent avoir ressemblé à cela. Question. Sur Terre, les véhicules émetteurs sont équipés de pieds amovibles pour les stabiliser pendant les transmissions. Pourquoi la NASA n'a-t-elle pas également équipé le rover qui devait transmettre d'une distance plusieurs dizaines de fois supérieure à celle d'un simple satellite en orbite terrestre ? Étant donné que, d'après le manuel de la NASA, l'alignement de l'antenne doit rester dans les 2,5 degrés par rapport à la Terre et que le signal vidéo se dégrade de manière extrêmement rapide au-delà de ce point, comment a-t-il été possible de réaliser des transmissions télé malgré des mouvements comme ceux-ci, sans que le signal ne se dégrade ou ne s'interrompe à un moment pendant le direct depuis la Lune ?